bienvenue dans notre émission Chasseur de taudis. Aujourd'hui, nous retrouvons Damien. Cet acheteur recherche un bien immobilier. La principale difficulté de cette opération est son budget. En effet, le budget de Damien s'élève à environ 53 euros. Bonjour Damien. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous recherchez comme bien immobilier ? Alors, je cherche une grande maison avec beaucoup d'espace, si possible. J'aimerais qu'il y ait une cour, un grand jardin. J'aimerais bien que la maison allie à la fois le charme de l'ancien et le moderne. Donc voilà, ça me plairait beaucoup, ça. Et puis, une très belle cuisine aussi. D'accord. Et qu'est-ce que vous recherchez très précisément dans ce bien ? Alors, moi, c'est mon rêve depuis que je suis tout petit, c'est une énorme salle de bain. Très, très grande, moderne, avec de la faïence, si possible, de la mosaïque sur le sol. Voilà, c'est mon rêve depuis que je suis tout petit. Donc, j'espère vraiment qu'il y aura ça dans cette maison. D'accord. En fonction des exigences de Damien, Valère a pu lui rechercher le taudis de ses rêves. Encore faudrait-il le convaincre lors de cette visite. Bonjour. Bonjour. Je vous présente ma cousine, Ginette. Elle va m'accompagner durant cette visite parce qu'elle s'y connaît beaucoup dans le bâtiment et moi je suis un néophyte dessus. Ah. Bonjour. Enchantée, Ginette. Enchantée. Alors venez. Alors voici la maison que je vous ai dégotée. Là, vous pouvez voir la belle façade de cette maison. Ah oui, c'est joli, ça a du charme. T'en penses quoi, Ginette ? C'est pas trop mal. Voilà, c'est une maison rustique et moderne, comme vous m'avez demandé. Ah, c'est bien ça. Et donc la façade, malheureusement, c'est du plein nord. C'est pas grave. Mais de l'autre côté, plein sud. Ah, donc, ça c'est mieux. Vous allez voir ça tout de suite, donc suivez-moi. Alors pour l'instant, la maison proposée par Valère me plaît beaucoup, elle m'a beaucoup séduit. Toi, t'en penses quoi, Ginette ? C'est pas trop mal l'extérieur de la maison, mais attendons de voir l'intérieur. C'est vrai. Les premières impressions de Damien et Ginette m'ont l'air plutôt positives. Donc je suis assez enthousiaste quant à la suite de cette visite. Donc ici, la façade plein sud. Oh, c'est joli ça. Ah, c'est beau, hein, il y a de l'espace. T'en penses quoi, toi ? Oui, c'est très lumineux. Bon, je suis content que ça vous plaise. Alors ici, vous pourrez faire une belle petite terrasse. Ah ouais, avec une grande table là pour les soirées et tout, c'est bien ça. Ouais, exactement. Et puis après, bon, on va passer à l'intérieur. Hein. Bon alors, ne faites pas attention au désordre, c'est provisoire. Ah bah c'est en particulier dans mon logement. T'en as pas ? Bon alors, nous passons à la première pièce, la pièce principale. Waouh, oh, c'est beau. Alors vous voyez cette belle cuisine. C'est déjà équipé en plus. Oui, elle est fonctionnelle. Vous faites un cadeau, monsieur. De rien. Regarde, il y a l'eau courante. Oui, non, rien, c'est... Ça vous plaît, Ginette ? C'est bien ? Regarde le carrelage. Pas tellement. Moi, je trouve ça très bien. En tout cas, vous allez être content ici, mon petit Damien. C'est beau, il y a un petit charme. Ouais. De l'authenticité, c'est... Oh, il y a même une assiette, regarde. Il y a du ménage à faire. Oui, bah ça, c'est là pour ça. Hein. Voilà, voilà. Donc si ça vous plaît, je suis très content. En tout cas, c'est la pièce de vie, la pièce principale. Ouais, c'est beau, c'est beau. Bon, faudra peut-être changer le néon, il est un peu cramé, mais ça va se faire. Ah, il y a un oiseau en plus, c'est cool. Oui. On ferait un animal de compagnie. Rajouter voilà. Une fenêtre aussi. Une fenêtre, ouais. Une fenêtre, bon. Il y a le gaz déjà ou... Ah oui. La cuisine, elle me paraît pas vraiment fonctionnelle. Hein. Franchement, c'est bon. Hein. On peut s'en servir quand même. Hein. Moi, franchement, je m'y vois bien, tu vois. Je suis même pas sûre que l'eau, elle coule. Genre, mais t'inquiète pour l'eau, puis on puisera dans la rivière. Donc là, nous passons à la seconde pièce, la chambre. Oh, c'est beau aussi. Donc c'est une suite parentale. Ah, mais les parents sont morts. Excusez-moi Damien, excusez-moi. Et c'est pour vous cette chambre, cette suite. Ah, pour la cheminée, ma grand-mère elle avait là la vie dans l'eau. Ah, intéressant. La maison date de quelle année ? La maison date du 19e siècle. D'accord. Donc elle est encore dans son jus, vous voyez. Oh bah oui. Hein. Mais elle conserve un certain charme, je trouve. Génial, hein ? Non. Vous pouvez la garder, hein, tout reste. Hein. Ah, tout reste ? Tout reste. C'est un cadeau du propriétaire. Et le mur, c'est normal ? C'est pour donner un charme, hein ? Ouais. Le mur, bah vous... Pourquoi il y a un trou ?
Il y a un trou? Non, faut pas y faire attention, mais... Bah, comme ça, vous pouvez vous passer les plats de la cuisine au globus parental, c'est assez... Les plats ne passera pas. Oui, bah, comme vous êtes dans le bâtiment, vous allez faire un petit trou, hein? Voilà. Non, il vaut mieux refaire. D'accord. Regarde, papy pain, Ginette. Non, ne touchez pas trop, c'est historique. Par contre, Damien, je vous conseille de conserver ce papy pain. Papy pain d'origine, une grande valeur sur le marché, l'électricité est aux normes aussi. Incroyable. Il y a énormément de fissures aussi, hein. Vraiment. Beaucoup, hein. J'aime bien le mur, là. Vous trouvez? Ah oui. Non. Regarde la fenêtre, elle est jolie, hein. Ah, on fera peut-être nettoyer un peu, mais c'est... Bon, un petit coup de balai, la maison est en état, vous inquiétez pas. Ouais. J'aime bien ça aussi. Les travaux aussi, hein. Les travaux, non. Si. Il y a une cave? Une cave, non. Non, ça résonne. Ça résonne. Peut-être un tombeau, mais on verra. Vous venez, on passe à la troisième pièce? Ouais. Le papier peint, il est joli, non? T'as intérêt à l'enlever, hein. Ah oh, non, moi je le laisserai, hein. Et puis, je sais pas, le sol est beau, le plafond a l'air solide, il y a une belle cheminée, en hiver c'est utile, tu vois, non. Franchement, moi je trouve elle que cette chambre, marcher, la cheminée. Elle est fonctionnelle. T'inquiète, je la ferai marcher. Venez, venez. Nous rentrons dans la troisième pièce, une pièce que vous allez apprécier. Ah. Allez, venez. Ah, allez. Voici la salle de bain. Oh, Valère, ben, vous me faites plaisir. Ah, elle est magnifique, cette salle de bain. En effet, elle est très très belle, je trouve. Ah. Alors, je sais que c'était votre pièce fétiche, donc j'ai mis tout le paquet dans mes recherches pour cette grande et belle salle de bain. Ah, bah ben, là, oui, voilà le plafond. Juste le plafond. Le papier peint. Alors, le papier peint, vous pouvez l'enlever si vous ne voulez pas. Ah non, moi je le laisse, hein, c'est très beau. Parce que je sais que vous voulez faire un coup de peinture. Ouais, et puis je sais que vous vouliez de la faïence, donc bon, il faudra choisir. Ah, faites cette partie-là, quoi, parce qu'en fait, je me rappelle ma tante. Vous ne marchez pas ici, c'est l'endroit de la double vasque. Oh, on peut mettre une double vasque. Double vasque, il faut se projeter bien, mais une double vasque, voilà. Ah, vous comblez. Ah, ça fait plaisir. Ça vous plaît, Ginette? Franchement, allez, regarde, c'est magnifique. Bah, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Oui, t'inquiète, il y a moyen. Ici, vous pourrez mettre la petite baignoire. Dans le sens plutôt, non? Dans l'angle, une baignoire d'angle, comme vous voulez. C'est trop. Voilà. Oh, bien. Ah, ça, c'est vraiment l'atout phare de cette maison, Damien. Ça efface tout le reste de la maison, là. Ah, voilà, c'est... Le top du top, là, cette maison. Une belle vue sur votre jardinet, franchement. On va planter des rutabagas. Si vous voulez. Bon, bah, c'est comme si ça vous plaît. On va faire le point. Très bien. Damien, Ginette, ce bien est au prix 2. €73. Ah, c'est un peu au-dessus de notre budget, là. Je le sais. C'est pour ceci que j'ai négocié le prix avec le propriétaire. C'est vrai? Oui. Et le prix est maintenant de 51 €. Ah, là, ça rentre dans notre budget, hein. Là, c'est très mieux. Bien. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Par contre, j'ai encore une question. Le prix pour les travaux? Bon, on s'en occupera plus tard. Ce n'est pas une priorité. C'est quand même important. Bon, bah en tout cas, merci d'avoir visité. Merci et à vous. Et puis à bientôt. Réfléchissez bien à cette offre. Merci. Au revoir. Je sais pas de toi, mais moi, je suis vraiment conquis par la salle de bain, par la cuisine, par la salle principale, par tout. Moi, vraiment, je l'achète cette maison. T'aimes bien tout de cette maison? Tout. Il y a des travaux à faire, mais. Énormément. Ah, ça va un petit peu. Moi, je suis prêt à les faire, les travaux. Justement, si tu veux faire la double vasque, les choses comme ça. Ah, fais pas ta rabat-joie, tu me rappelles maman. Bah oui, mais t'as un petit budget. Et alors? C'est la passion qui compte, pas l'argent. Bah, l'argent aussi. C'est vrai. Mais t'inquiète, je vais la rénover, cette maison. T'inquiète pas pour l'argent, c'est pas un souci. Bon, ben, on va y réfléchir. Après avoir mené une grande réflexion avec Ginette, Damien a décidé d'acheter le taudis proposé par notre agent immobilier. Cette belle affaire s'est conclue au prix de 51 € hors taxes. Ça y est, je suis propriétaire. Je tenais à remercier l'équipe de chasseurs de taudis et surtout Monsieur Fait des Affaires sans qui je ne serais jamais parvenu à ça. Merci beaucoup du fond du cœur.